Beugré Mambé a donné des instructions au comité d'organisation du prix national d'excellence. Les femmes et les filles ont été sensibilisées au changement climatique et la flamme olympique des Jeux Olympiques 2024 est arrivée en France. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La 11e édition du prix national d'excellence est lancée. Karim Traoré, directeur de cabinet du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, a livré les orientations du chef du gouvernement au Comité national de la Journée de l'excellence. Pour le Premier ministre, la légitimité des lauréats ne doit souffrir d'aucune contestation. D'aujourd'hui jusqu'à ce que la date de remise des lauréats soit connue, que nous constituons une famille, que nous constituons une équipe, que nous constituons un corps avec des composantes qui se complètent dans le but d'atteindre un résultat qui est celui de l'adhésion populaire de par la divulgation de la liste des lauréats et surtout par l'adhésion populaire qui conforte que nous avons travaillé en toute objectivité, en toute transparence, et dans le respect des règles que nous nous serons fixées aujourd'hui. Afin de renforcer cette légitimité, il a fait savoir que chaque prix enregistre au minimum 5 candidats. Le directeur de cabinet a indiqué que Robert Beugré Mambé souhaite un renforcement de la communication autour du prix d'excellence afin d'engranger le maximum de candidatures de qualité. Plus que les autres années, pour arriver à identifier le maximum de potentiels lauréats, il nous demande de renforcer la communication. Nous devons communiquer au sein de nos ministères, nous devons communiquer à l'extérieur de nos entités, nous devons avoir une approche agressive pour faire connaître les prix qui sont mis en jeu et pour inciter davantage de candidatures. Je vais me retirer et permettre la poursuite des travaux en ce qui concerne le bilan et les autres étapes. Comme en 2023, l'édition 2024 de la cérémonie du prix national d'excellence aura lieu en août prochain et va concerner 87 catégories. Le réchauffement climatique ne laisse personne indifférent. La gente féminine est très sensible à cette mutation du climat. En zone rurale, les femmes sont de plus en plus exposées à ces changements du fait de leurs activités. Ensemble, nous allons prendre le chemin de l'action et du changement véritable. Et je pense que c'est pour cette raison que vous êtes tous là. Pour que main dans la main, nous puissions chacun, à partir de là où il est, s'engager pour le climat, s'engager pour un développement durable, mais surtout s'engager pour que les femmes et les filles soient plus résilientes face à ce phénomène. La conscience doit partir d'abord de l'homme et de la femme. C'est pour ça que nous avons dit qu'il était important d'essayer de genrer cette question du changement climatique autour de la femme, autour de la jeune fille, d'autant plus que ce sont deux êtres qui ont un impact fort dans nos quotidiens. Nos femmes sont à la maison, nos femmes cuisinent, nos femmes utilisent le charbon, ainsi de suite. Et donc, dans leur quotidien, nous allons essayer de les sensibiliser pour leur dire qu'il faut avoir des comportements, des attitudes qui peuvent nous amener à lutter contre le changement climatique. Moi, personnellement, j'ai trouvé l'initiative très belle parce que c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que sensibiliser tout le monde pour surtout les femmes. Et quand je venais ici, je n'avais pas pensé vraiment que on peut dire que ce changement climatique a un impact sur les femmes et les filles surtout. Mais à travers les interventions, effectivement, vu que elles sont plus vulnérables. Cette cérémonie a été marquée par la signature d'un partenariat entre Alliance Holding Group et l'ONG Lead Africaine. Le siège du RHDP de la capitale de la région du Tampi présente un nouveau visage. Il a une meilleure allure après sa rénovation et son équipement en matériel bureautique par le docteur Tia André, 2 mois après son retour à la maison. Nous avons repris entièrement la peinture intérieure sérieuse du bâtiment. On a refait
la calligraphie, nous avons envoyé un ordinateur, nous avons envoyé du matériel de bureau. C'est notre façon de démontrer que nous sommes arrivés au RHDP et que nous sommes fiers de pouvoir servir maintenant ce grand parti, le parti du président Ouattara, et puis tout faire pour que l'année prochaine, là, le RHDP puisse l'emporter. Heureux du geste et au nom des départementaux, Bagayoko Mustapha n'a pas manqué de témoigner leur gratitude. Tout ce qu'il a promis nous donner, il vient de le réaliser maintenant. Nous lui disons vraiment merci. Nous sommes très heureux parce que c'est un fils de la région, c'est un cadre de la région. Et c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a pris fin. Et pour finir, la flamme olympique est enfin arrivée en France. Après 12 jours de voyage depuis sa patrie natale en Grèce et une parade maritime, la flamme olympique a fait son entrée en majesté dans le vieux port de Marseille le mercredi 8 mai à bord du 3 Mâts Bellem. Dans la journée du jeudi 9 mai, l'ancien footballeur français Basile Boli a tenu la flamme olympique et allumé le flambeau de la fondatrice française du club de supporters de l'Olympique de Marseille, Dodgers Marseille, Colette Cataldo, dans le cadre des relais de la flamme olympique et paralympique à la basilique Notre-Dame de la Garde. Le premier chaudron olympique des Jeux de Paris 2024 a été embrasé par la star du rap français, Jules, à 79 jours de l'ouverture des JO de Paris le 26 juillet pour les 3e JO parisiens de l'histoire, après ceux de 1900 et 1924. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.